On est arrivé hier à Vancouver. On est ici pour une semaine, je pense, qui va être magnifique. J'avais rencontré Denis totalement par hasard dans un aéroport. Il nous demandait qu'est-ce qu'on faisait. J'avais expliqué qu'on faisait des vidéos de pêche vraiment au Québec. Puis tout de suite, ça a cliqué. Il nous a invités à venir ici, passer la semaine avec lui, aller pêcher. Fait qu'aujourd'hui, le but, c'est qu'on part avec Brad. On s'en va au Pink Salmon. Il est supposé avoir beaucoup, beaucoup de saumon. Je pense qu'on va s'en rappeler longtemps. On est tous un peu énervés. Je me sens à même âge que mon garçon aujourd'hui, vraiment, là, avec l'excitation. Ouais. Pour ma part, c'est mon premier vol en hélicoptère. Je suis extrêmement fébrile. Même hier, on en parlait, moi puis Vincent, puis je pense qu'on partage le même sentiment. Mais tout le monde, toute l'équipe, on partage le même sentiment. Comme des enfants ici, là, exactement. Puis depuis que je suis adolescent, j'ai toujours rêvé de venir à Whistler. Mais jamais j'aurais pensé que ça allait être la pêche. Si on faisait du snowboard plus quand on était jeune, j'ai toujours rêvé de venir ici. Mais là, regarde, j'en parle, j'ai des frissons, c'est complètement capoté. Denis nous offre une expérience incroyable. Là, on doit aller chercher Brad qui est à Whistler. Let's go à la pêche avec ton père. Ça va vraiment être le fun. On va se rappeler de ça longtemps. Hey, salut Denis! Hey, salut Vincent, ça va? Ça fait longtemps qu'on t'entendait, toi. Salut Nicolas, enchanté. Salut Nicolas, enchanté. Quelle belle journée aujourd'hui. On a une journée pas de vent, on a des poissons qui vont être là, on a une météo extraordinaire. Yeah. On va passer une journée inoubliable. Tu vas mettre plus au centre. Nice to meet you. Hi, Brad. It's really nice to meet you, my friend. Yes. So? Today we're going to be taking this fine helicopter into a very remote area full of pink salmon. It's going to be fantastic. We're going to do a little bit of fly fishing and we're going to do some spin fishing. So, okay. Both. Excellent. Both. On peut voir que le rose est vraiment mis de l'avant. La seule différence, par contre, c'est qu'il faut utiliser des hameçons simples. On n'a pas le droit au trépied. On vient tout juste d'arriver à notre premier endroit de pêche. On pouvait voir le désert à partir de l'hélicoptère des milliers et des milliers de pink salmon. On voit ici le nuage derrière nous. Il y en a tellement, c'est incroyable. Ça va être une journée exceptionnelle. On est privilégié de vivre ça avec nos limites hélicoptères. C'est vraiment trippant. C'est parti. Yes. J'ai hâte d'aller pêcher aussi. Là, je vois mon garçon qui est derrière puis je fatigue un peu. Premier poisson pour moi ici, au BC. Ça donne un bon combat quand même. L'eau est tellement claire, on voit les poissons dans l'eau. Depuis tantôt, j'étais énervé. Puis j'ai quand même pas beaucoup de saumon à mon actif sur la moucheuse. On n'est pas des pêcheurs extrêmement expérimentés. Magnifique femelle, des très belles couleurs rosées. Première prise pour moi, ça sera pas la dernière, c'est certain. Mais par exemple, c'est la première fois que je la pêche à la mouche.
Deuxième poisson, tout de suite après, deux lancers plus tard. Et je pense que là, j'ai attrapé de quoi de plus gros un petit peu parce qu'il m'a donné un bon fight. Il m'a quand même dérilé beaucoup de lignes. Il vient de sauter, là. C'était tellement beau, là. Wow! Pink are, they usually range between 5 and 8 pounds. They're feisty little guys, very aggressive fish. They like to eat pretty well anything that's pink put in front of them. It's a special fish. It only comes every second year. So on odd years, it comes to the river in mass numbers. As you're gonna see today, the river is so full, it just turns black with them. Spectacular fishing. Today, we're gonna be using Brad's special pink fly. We're also going to be using pink muddlers, pink snow joker. There's going to be a few. As the day progresses, you're always going through the box. You kind of get onto certain patterns and then you change it up and throw them another curveball. So it's a lot of fun. Keep it fresh. We also host online instructional fly tying. Our website's called FridayNightFlies.com. And most of these recipes are shared online. So if you want to try to tie them yourself, the hook, every material that's used in these flies are available to you online as well, which is pretty cool. On vient de prendre un super de gros spécimen. En ce moment, c'est Brad qui nous a pris ça. Il était magnifique, mais il y a du poisson. Il y en a déjà un autre sur la ligne en ce moment pendant que je vous parle. Ce que je veux faire, c'est un petit peu montrer la pêche à la mouche à mon garçon. Prends ta main ici. Tire un petit peu sur ta ligne. On lève comme ça, une petite pause. On relance par en avant. On va en profiter parce que justement, le poisson n'est pas très loin. Ça va être plus facile pour lui de l'atteindre. Oui, c'est pas mauvais. On repousse par en avant. Oh oui! Essaye de tirer plus en haut là un peu. On attend. On relance. Premier poisson pour mon garçon à la moucheuse. C'est difficile, hein? Oui. Ça rentre, ça. Yeah, that's perfect. Mais on n'est pas pressé non plus. Le poisson, il faut le fatiguer comme il faut pour le ramener. C'est le fun, hein? Ouais. Oh, that's a big one. Oh, yeah. I don't want to. Wow! Wow, Vincent! Mon garçon vient de prendre un super de beau boc. Un gros poisson. Un beau combat. Regardez-moi ça. C'est un monstre. Il est tellement gros. Wow! Yes! Un très beau combat. Le plus gros poisson, je pense, de la journée. Thank you, Brad, the Pepperton Fishing. Fishing at its best. On vient de finir de manger. Le lunch était hors du commun. On avait des viandes froides, des fromages, des crudités. C'était exceptionnel. Là, présentement, c'est l'heure de retourner à la pêche. Même en mangeant, j'avais toujours l'idée qu'il y avait un nuage de poissons juste à côté de nous. Waouh, on s'est régalé. Maintenant, c'est le temps d'attraper du poisson. Mon garçon a encore un poisson. Ben, en fait, c'est Brad. Brad a pris un poisson avec sa ligne. Il l'a cédé à mon garçon. Je sais pas si c'est le poisson ou le Vincent qui va se fatiguer en premier. Ah ouais! Ah, t'as peur, on fait ça! Yes! C'est le yes!
Une chance, j'avais attaché mes wetsuits. Super, ça, mon loup. J'ai lancé, j'en ai échappé deux. Là, j'en ai repris un. Un tout petit, par contre, pas un gros spécimen, mais bien pris par la bouche. OK, on va aller noter ça. Wow! Un beau combat! On attendait Denis qui est allé porter les autres personnes qui étaient avec nous. On a passé une super de belle journée ici aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a changé d'endroit pour venir terminer la journée. C'est une place qui est accessible ici en voiture. On peut voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent pêcher, des familles avec les enfants. Une très belle place, puis il y a autant de poissons. C'est extraordinaire. Depuis tantôt qu'on lance, puis on a un poisson en arrière de l'autre. Beaucoup, beaucoup d'action. Oh yeah! Thanks. Yeah. Oh! Strong one! Oh yeah! Yeah! Premier lancé en arrivant! Yeah! Wow! Try to go through this. Yes! Good job! Brad, c'est une machine, on va se le dire, il attrape sûrement... Oups! Parti! Il attrape au moins trois fois plus de poissons que nous autres. Here's the man. Quelle journée magnifique! Totalement extraordinaire. J'en reviens pas, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a vécu aujourd'hui. Ah ouais. J'ai mal au bras. L'expérience en hélicoptère, c'était incroyable. On a eu du poisson en quantité monstre. Ouais. Des nuages de poissons. Ah, ouais. Brad nous a apporté vraiment au bon endroit. Première expérience pour lui à Moucheuse. En plus, aujourd'hui, il a quand même sorti plusieurs poissons. Ouais. C'est fait des bras, je pense, parce que c'était pas facile. Des beaux combats. On peut même pas imaginer prendre autant de poissons. Le paysage alentour de nous autres, c'est tellement énergisant. On a une espèce de vibe qui vient nous chercher, qui nous donne de l'énergie. Regarde, ça fait plus de 12 heures pratiquement qu'on pêche, qu'on est là. On est même pas. On veut pas s'en aller. Il reste encore plusieurs journées ici, mais je pense que c'est difficile de stopper la journée. On veut pas que ça finisse. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il nous reste plusieurs journées de pêche. On va retourner pêcher aussi avec Brad. On remercie nos limites hélicoptères pour la journée qu'on a passée aujourd'hui. Brad puis Fish Finder, on voit l'expérience. C'est une personne qui est calme. Il a vraiment montré aussi beaucoup de trucs à Vincent. Même le caméraman a pris un poisson. Ça, c'est dans ce sens-là, ça veut dire que c'est l'abondance. Hein? Ouais. Yes, ça va. Thank you so much. Hey, thanks so much, you're my welcome. Friend. You're yes, welcome. Really nice people. Yes. Thank you so much. That's awesome. Yes. Awesome. Aujourd'hui, une expérience complètement hors du commun. C'est pas juste un trip de pêche qu'on est en train de vivre ici avec nos limites et les adventures. Je pense que c'est quelque chose qu'on va se rappeler toute notre vie. C'est certain, c'est certain. Comme on parlait au début, c'est vraiment un voyage organisé sur mesure pour nous, avec des visites totalement incroyables comme ici. On s'en va visiter des cavernes de glace qui sont là naturelles depuis en plus des milliers d'années. C'est extraordinaire. Des centaines de milliers d'années. Je me sens privilégié de vivre ça. Honnêtement, je ne pourrais jamais imaginer
me retrouver ici aujourd'hui avec des gens que j'aime, avec des personnes qui partagent la même passion. Merci à Nos Limites, merci à Denis, toute son équipe de nous faire vivre ça. J'aurai sûrement jamais la chance de revenir ici dans ma vie. Crystal clear! Oh, c'est prêt! Yeah! Oh là, t'as trempé ta calotte en plus! Tantôt, il nous expliquait que d'ici une centaine d'années, à la vitesse où font les glaciers présentement, avec tous les changements environnementaux qu'on est en train de vivre présentement sur la planète, d'ici une centaine d'années, les glaciers seront appelés à disparaître. Avec toute la force qu'on peut avoir tout le monde ensemble, on peut faire une différence et essayer de préserver des belles choses comme ça pour que nos enfants et les prochaines générations puissent en profiter. As we're flying over, we could see a lot of salmon in the river, but we also came across a very large grizzly bear, which is up about a kilometer. And they're only here for one reason, the same reason we're here, salmon fishing at its best. Là, on a vu beaucoup, beaucoup de pink. Il y a de l'eau plus creuse. On a vu des belles grosses taches noires. On espère pouvoir prendre soit un beau coho ou un beau chinook. Brad a bien l'espoir là, dans les eaux plus profondes un petit peu où qu'on voit pas dans le fond que les gros spécimens se cachent. Premier poisson, Vincent? Ouais, un beau petit poisson. Premier poisson en arrivant pour Vincent, deuxième lancé. That is a coastal cutthroat. And there's lots in here right now. Wow! So that's a sea run trout. On veut un gros poisson, on veut un trophée qu'on va se souvenir. Puis ça va mettre vraiment... Get the spray, fingers right there. Hey! Get out of here! Oh, Fimley, man. Hey, get going! Fish. Oh, fish, big fish. Il y avait un grizzly juste à côté. Oui, let's go, Tom! Yes! Ça va, ça va, là? Oh! Hey, j'avais un co au bout de la ligne. Malheureusement, je l'ai perdu. Mais on a eu deux, trois attaques, fait qu'on présume qu'il y a quand même plusieurs co juste sur le coin-là. Je pense que... Oh, Nicolas vient de prendre une touche aussi. Hey, wow, j'ai quelque chose de beau. Ah, oh, j'en ai un beau, j'en ai un beau. Oh, that's a chump! Oh, wow! Yes! Yes! Yeah! Yeah! Oh, yeah! Wow! Yeah! Yeah! Oh, le beau combat! J'étais tellement excité! On vient de prendre un beau chum. C'est un saumon qui est magnifique, comme vous avez vu. Un beau spécimen. Hey, je pense que j'ai mon trophée aussi, là. On a un beau poisson sur la ligne. Il s'en vient, il est juste devant moi. Dans la belle eau claire. Waouh, waouh, il s'en vient ici. Oh, waouh! Oh, waouh, waouh, waouh. Wow. Vas-y, mon loup! Ouais! Oh, wow! Il est dans l'eau. Yes, sir! Wow! Yes! On the twitch. Oh, the big one, big one. Big, 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 big one. Oh my God, that's a beast. Twitching, baby. Twitching is awesome. That's a bull trout. I don't think that's a bull trout. Wait, wait. That's a trout. A trout? That's a monster, monster, monster bull trout. Monster, monster, monster. Oh my God. This is a fish of a lifetime, boys. You don't get them this big very often.
In the net, in the net. Yes, yes, yes. Oh my God. Oh my God. Wow. 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 Oh, la truite. On vient de prendre un monstre de truite. Wow, Brad. That poisson is the biggest bull trout I've ever caught in a river. Wow. In my life, and I've been fishing for a very long time. Wow. That is a very, very special fish. Don't let it go. Come and have a look at the white leading edge. This is heli fishing, baby. That's it. He's gone. That was an absolute monster bull trout. You only get those kind of fish in very remote rivers. That fish had probably never even seen a hook before. That was an absolute enormous bull trout. That's as big as they get in rivers. I imagine that fish was probably around the 12, 13 pounds. Massive fish. And we happily released it. And the use of barbless hooks makes it really easy on the fish. So you just slip that right back out. As you saw, it actually fell out in the net. This is paradise. Everyone should experience this once in their life. Put this on your bucket list and let's check it off. Regardez le décor en arrière de nous. Je vous dirais que c'est un peu tout ce qu'on a vécu toute la journée. On a eu la chance de survoler des glaciers. On est allé dans des cavernes de glace. On a vu des lacs avec des couleurs turquoises magnifiques, des eaux limpides. Que dire de la pêche? C'était au-delà vraiment de nos espérances. Puis Denis, il nous en a mis là, vraiment plein la vue. On a commencé une première journée avec une quantité monstre de poissons, beaucoup, beaucoup de pink. C'était incroyable, un après l'autre. Après ça, aujourd'hui, on a terminé ça avec des poissons un petit peu plus gros. Bien, beaucoup plus gros, en fait. On est tous allés chercher un trophée, des beaux cohos. Nico, qui a eu la chance aussi de nous attraper un chum. J'aimerais vraiment ça pour ma part, un jour, avoir la chance de sortir ce saumon-là aussi. C'est vraiment lui qui me fascine le plus. Je veux dire merci. Merci à Denis. Merci de toute l'organisation qu'il a fait, tout le temps qu'il a passé avec nous. Merci à Brad aussi de Fish Finder, qui a donné toute l'énergie possible pour nous faire prendre les plus beaux poissons ici, les plus gros spécimens. Chapeau, félicitations à Vincent, qui a pris les premiers poissons. Tu as pris des belles qualités de poissons. Je suis vraiment fier de toi. Tu pêches bien. C'est le fun de passer du temps avec toi, mon homme. Félicitations. Yes! Ready? I'm going to steer him up and in and lift up. Up, 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 up. There we go. Good work, my man. Thanks for your help. De 100 calories. Parfait. 26% de gras saturé. On est arrivé les deux. Mais... Non, mais oui. Extra! Sérieux? Hey! Extra! I'm the Freddy. Freddy, so good!